En tant que chrétien, ou de comme ça, souvent ça comme fondement, ou son chrétien qui est en danger. Les chrétiens qui sont en danger sont les gens qui ont une vie qui est vulnérable. Les gens qui ont une vie qui est vulnérable sont les gens qui construisent une caille sur une falaise. Quel que soit ce que la vie de la terre. Ça fait que les gens qui ont chaud, ou la prière, ils sont sous ça. Mais pas de fondement. Ils sont pour prêcher, ils sont pour diriger. Mais pas de fondement. Pour quelle raison? Parce que ils ont construit une ville sur la parole de Dieu. Mais le fondement, on a beau, c'est renoncement aux œuvres mortes. Pour conserver le salut, pour l'amour qui est dans le processus, là. Parce que l'âme de la personne est en train de sauver, il est dans le processus, au point A, aller vers point X, vers point Z. Ça veut dire, où est-ce que la consécration, la sanctification, et le corps de la personne sera sauvé, parce que pas grand monde qui convertit, le jour tu convertis toi dans le ciel, non, le corps est sauvé. Ça veut dire, dit comme ça, je traite du moment, mon corps, et je le tiens assujetti. Les hommes spirituels sont hommes de principe. Il y a côté de la fouille, mais il n'y a pas style la fait. Il n'y a pas de style pas style la fait. Il n'y a pas attendre avec son pour quelle raison? Parce que le bon salut l'a conservé. Bien aimé, il faut qu'on renonce avec des œuvres mortes, les œuvres de la chair. Même si vous convertis, même si vous acceptez Jésus, même si plus grand homme de Dieu impose les mains. Ah, si que ou même, il n'y a pas imposer les mains, il n'y a pas imposer discipline. Il n'y a pas communiquer discipline, non? Je vais communiquer des dons spirituels. Paul dit comme ça, je soupire en pile pour visiter nous afin de vous communiquer des dons spirituels. Il y a un monde qui a une vie qui fait. Il y a un homme de Dieu imposé les mains. Pap! Et puis saisi par l'Esprit de Dieu. Il commence à prophétiser parlant d'autres langues. Mais je ne vais pas imposer les mains pour communiquer aux disciplines. Pour communiquer aux lire la Bible. Non. Vous supposez, je tête un mandat, puisque je suis sauvé. Pour maintenir ça, lui ça. Pour vivre ma consécration. Aïe aïe aïe. Homme de Dieu a dit, je traite dûment mon corps. Et je le tiens assujetti. Il faut qu'on renonce pour qu'il y ait un salut. C'est vrai, sauver. Mais non, non. Il y a une bataille. Paul dit comme ça. Je ne peux pas comprendre malgré que je me convertis. Mais je me trouve en loi en dame. Non, mais c'est pour la plein bagaille là. Paul dit, à chaque fois, je dois le faire bien. Le mal, il campe en face moi. Paul dit, oh, qui ça me fait? Malgré Paul, son homme tout puissant. Malgré Paul, son homme de consécration. Mais ça va empêcher le bon bagaille en dedans. Car nous, en dedans. Paul dit, qui ça me fait? T'as pas besoin, gros bishop, n'importe petit gros rien. Si vous avez une vie de consécration, vous avez perdu le salut. Attendez, frère. Vous avez perdu le salut. Malgré. Vous pouvez convertir tout le monde. Vous pas souffrir. Mais si vous pas conserver le principe spirituel. Dans le verset Bible, Paul Bral dit, grâce soit rendue à Dieu. Jésus-Christ fait la grâce. Donc, vous le chrétien, vous supposez, ouais, on vous dit un renoncement aux œuvres mortes. Ou pas qu'à l'église, vous va renoncer avec les œuvres mortes. Qui ça veut dire les œuvres mortes? Les œuvres de la chair. Les œuvres, ça va tout viennent dans yo. Lorsque vous n'êtes pas renoncé, parole n'est pas de vie en dedans. Ou pas quand vous avez 100 000, vous n'avez pas de compte à coup, vous n'avez pas de vie en dedans. Malgré qu'on fait une temps par là, mon nom dit, je sais qu'il manque quelque chose. Parce que mon nom, il y a une apparence, mais pas de fondement. Aïe, aïe, aïe. Pour quelle raison? Il va renoncer avec certaines choses.